La tortue qui n'aimait pas être lente. Aglaé est une tortue qui n'aime pas être lente. Et pour une tortue, ne pas aimer être lente, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car dans sa famille, on prend son temps en toutes circonstances. Comme toutes les tortues, Aglaé adore l'eau. Mais avant d'aller barboter, elle doit d'abord finir son repas. Croc, miam miam miam. Évidemment, quand Aglaé a enfin terminé le contenu de son assiette, crunch, 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 il fait nuit. La meilleure amie d'Aglaé s'appelle Rita. Dès qu'il fait beau, les deux copines aiment se rendre à la plage. Quel bonheur de sortir seau, pelle et râteau, afin de construire un magnifique château de sable. D'abord, il faut aller chercher de l'eau. Aglaé a beau marcher aussi vite qu'elle le peut, le temps qu'elle revienne avec son seau, la marée a monté et la plage est entièrement recouverte. Plouf! Aglaé est très frileuse. Dès que les températures baissent, elle s'enrhume pour un rien. Ah, ah, ah. Malheureusement, éternuer lui prend toujours beaucoup. Beaucoup de temps. Chi! La passion d'Aglaé? Le baseball. Elle est la meilleure batteuse de son équipe. Elle frappe dans la balle à tous les coups et l'envoie super loin. Paf! Hourra! Elle a encore réussi! Aglaé s'élance sur la première base. Pour gagner, elle doit avoir fait le tour du terrain avant que les lapins reviennent avec la balle. Enthousiaste, Aglaé avance aussi vite qu'elle le peut. Piou, piou! Elle a presque fait le tour. Plus que quelques mètres, et elle aura gagné. Pouf, pouf. Pouf! Raté! Ce week-end, la famille d'Aglaé part camper dans la montagne. Pour cela, ses parents ont loué un minivan. Pouet, pouet! Aglaé n'en revient pas. À l'intérieur, il y a trois lits, un coin salon et même des toilettes. Bouing, hihihi. Ma chérie, l'informe sa mère, nous n'allons pas tarder à partir, alors dépêche-toi de rassembler tes affaires. Toute heureuse, Aglaé se précipite dans sa chambre. Dans son sac d'aventurière, elle met une paire de jumelles, une lampe de poche, son chapeau, son livre sur les insectes et... Zut, sa gourde est vide. Heureusement que l'étang n'est pas loin. Le van est chargé. La maman tortue se tourne vers ses enfants. Tout le monde est là? 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. En route. Vroom, vroom. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? S'étonne Aglaé. On dirait... Vrouv. Hé! Vous m'oubliez! S'écrie-t-elle horrifiée. Maman, papa, je suis là! Affolée, Aglaé court, court. Aïe, splash! Trop tard. Nom d'une feuille de chou fané, pleurniche Aglaé. J'en ai marre d'être lente. Si seulement je savais courir. Tut tut. Mais la voilà la solution. Aglaé doit devenir rapide. Et ses problèmes seront réglés. De retour de vacances, Aglaé observe les enfants en train de jouer. Yaouh! Et si elle enfilait, elle aussi, des patins à roulettes? Ainsi, elle irait hyper super méga vite. Aglaé choisit des patins roses et jaunes, assortis à son bonnet. Ouh là là, c'est bien compliqué de tenir sur ces choses. Est-ce qu'il fait froid tout à coup? Ah, tchoum! Ah! Nom d'une écaille de pangolin, ça va beaucoup trop vite! Terrifiée, Aglaé se réfugie dans sa carapace.
Clac! En fin de compte, aller plus vite, c'est bien, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Aglaé réfléchit. Et si elle cheminait à dos d'âne? Crunch, crunch. C'est rassurant, un âne. Ça ne part pas au grand galop, comme les chevaux, mais ça avance tout de même bien plus vite qu'une tortue. Le problème, c'est que pour monter sur un âne, il faut parvenir jusqu'à son dos. Et pour une tortue, gravir un escalier prend beaucoup, beaucoup de temps. Ah ! Bong ! Forcément, l'âne en a eu marre d'attendre. Et si, tout compte fait, ce n'était pas elle qui était trop lente, mais les autres qui étaient trop rapides? Aglaé confie son problème à sa mère, qui, comme toujours, est de bons conseils. « Quand j'étais plus jeune, lui raconte-t-elle, je suis partie vivre quelque temps chez les paresseux. Ces animaux se déplacent encore plus lentement que nous, et ils sont très gentils. » « En voilà une bonne idée !» s'illumine Aglaé. Le lendemain, elle part rejoindre le Costa Rica. Après plusieurs semaines de voyage, Aglaé arrive enfin au village des paresseux. Waouh ! S'émerveille-t-elle. Eux, au moins, ils savent apprécier la douceur de la vie. Courir, se hâter, cavaler, bondir, s'agiter, fini tout ça. Tout le monde va lentement autour d'elle. Désormais, Aglaé est une tortue heureuse. Enfin, presque.